Avec les températures douces qu'on a ces temps-ci, se promener sur les plans d'eau gelés est un peu plus risqué. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on doit réagir et les étapes à suivre si jamais vous passez à travers la glace et que vous vous retrouvez submergé, mouillé, en hypothermie. On se trouve présentement dans la municipalité d'Escuminac, qui signifie en Mi'kmaq « là où on trouve les petits fruits ». C'est une municipalité qui se situe dans la MRC d'Avignon et qui englobe les villages de Pointe-Florent, Escuminac et Pointe-à-la-Garde. C'est un magnifique endroit entre montagnes, rivières et mers. Mais c'est surtout la Mecque de la pêche blanche. On retrouve ici des endroits où on peut voir des dizaines de cabanes à pêche. Des gens viennent de Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane pour venir taquiner les perlans à marée haute et à marée basse. La base de toute sortie en plein air, c'est la préparation. Que vous vouliez aller faire de la pêche blanche sur la baie des Chaleurs ou comme moi aujourd'hui marcher tout près d'une rivière, il faut que vous ayez prévu des équipements de sécurité qui pourraient vous venir en aide en cas que vous passiez à travers la glace. Si c'est le cas, première étape, une fois que vous êtes dans l'eau, vous gardez votre calme. Vous avez encore 30 minutes avant que l'hypothermie ne s'installe réellement. Donc, on se détend. Deuxième étape, on revient sur nos pas. Puisqu'on était sur de la glace solide il y a quelques secondes, on retourne sur cette glace-là pour se sortir de l'eau. Troisième étape, pour enlever le maximum d'eau de nos vêtements, on va se rouler dans la neige pour que celle-ci absorbe l'humidité. Quatrième étape, il faut se dépêcher à se réchauffer. On va se changer avec des vêtements secs et on va essayer d'allumer un feu pour pouvoir réchauffer nos doigts. Cinquième étape, on doit se dépêcher à pouvoir se mettre en action parce que si on reste trop longtemps près du feu, on va geler réellement. Donc, on se met en action, on bouge et finalement, la dernière étape, on se dirige vers un endroit chauffé pour nous permettre de combattre l'hypothermie. Pour qu'un être humain puisse rester sur la glace, ça prend environ 3 cm. Mais à moins de 3 cm, le corps humain, le poids d'un humain normal défonce la glace. Première chose, quand vous tombez dans l'eau froide, on reste calme. Mon réflexe, ça serait d'aller vers l'avant pour sortir de l'eau plus rapidement, mais je ne sais pas si la glace est suffisamment solide pour pouvoir tenir mon poids. Par contre, je sais que là d'où j'arrive, la glace pouvait permettre de rester déçu, donc je vais revenir sur la glace. Je ne vais pas me mettre debout, parce que peut-être qu'elle est assez solide pour supporter mon poids, mais peut-être juste limite. Donc, le truc, je vais m'étendre sur la glace et je vais essayer d'étaler mon poids sur une plus grande surface possible. Et je vais m'éloigner de la zone où je suis tombé dans l'eau. À partir d'ici, je dois trouver un moyen d'enlever le maximum d'eau de mes vêtements et des gants qui sont maintenant mouillés. Mes extrémités perdent de la chaleur très rapidement. Un excellent moyen pour absorber la quantité d'eau que vous avez sur vos vêtements, c'est de vous rouler dans la neige. La neige, naturellement, va absorber l'excédent d'eau. Donc, dans ce cas-ci, moi, c'est surtout mes jambes. Donc, je vais mettre mes jambes dans la neige. Faut pas avoir peur de se mettre dans la neige. C'est pas plus froid que ça l'était il y a une seconde. Puis on perd pas plus de chaleur parce qu'on fait ça. Étant donné qu'on enlève l'eau de notre corps, voyez mes pantalons, ils ont l'air déjà plus secs qu'ils l'étaient. Ça fait en sorte que cette eau-là, on n'a pas besoin de la réchauffer. Donc c'est un aidant. L'étape suivante, c'est de retirer les vêtements mouillés
qui sont sur notre corps pour les remplacer par des vêtements secs afin d'arrêter la perte de chaleur. Étant donné que j'avais déjà planifié le fait que j'allais peut-être tomber dans l'eau, étant donné que sur mon trajet, j'allais passer près d'une rivière, dans ma préparation, j'avais prévu des vêtements secs dans un sac étanche au cas où mon corps tombe complètement dans l'eau. Pas besoin de tout emmener en double, on s'entend. Des bas, souvent, c'est suffisant, ou, la plupart des temps, juste combine suffisant. J'ai pas de pantalon de rechange. Étant donné que la neige a absorbé une bonne partie de l'eau puis que je vais porter des combines secs, c'est pas un gros enjeu d'avoir des pantalons mouillés. On pratique le changement. L'endroit où on perd le plus vite la chaleur, c'est les mains et les pieds. Donc, c'est souvent là qu'il faut réagir le plus vite afin de stopper la perte de chaleur. Ici, on peut voir, j'avais des bons bas chauds. Et voilà. Qui sont mouillés. Si je mets un bas sec directement sur mon pied et que je le remets dans ma botte, mon bas va redevenir mouillé immédiatement. Je n'aurai pas réglé mon problème. Alors, ce que je vais faire pour protéger mon bas de ma chaussure mouillée, c'est que je vais mettre par-dessus un sac de plastique qui va empêcher l'eau de la chaussure de mouiller mon bas. Dans ma trousse de premier soin, j'emmène toujours des sacs poubelles pour ramasser les déchets que produisent les emballages de premier soin. Donc, je vais utiliser ce sac poubelle-là, un peu comme un Gore-Tex imperméable qui va venir protéger mon pied. J'ai pas attaché mes souliers tout de suite parce que la prochaine étape, ça va être d'enlever mes combines et mes pantalons. L'objectif de commencer par mes bas, c'était d'arrêter de perdre la chaleur par mes pieds. On n'oublie pas, après une immersion dans l'eau froide, on a 30 minutes avant d'être complètement en hypothermie, donc on se gère, il n'y a pas d'urgence. Pantalon, combine. Je suis maintenant complètement au sec. Par contre, mes mains et mes pieds étant été dans l'eau froide, la chaleur continue à s'en aller par ces deux extrémités-là. Donc, deux options s'offrent à moi pour l'instant. Soit que je pars tout de suite me réfugier dans un endroit chauffé, ou si cet endroit-là est trop loin, je vais allumer un feu rapidement afin de chauffer mes mains et ensuite de ça, me diriger vers cet endroit chauffé. On va commencer par l'option du feu. Ce qu'on veut là, pour faire notre feu, c'est des petites branches fines qui vont s'allumer rapidement. Et le meilleur arbre pour partir un feu, c'est le tuya d'Amérique, communément appelé le cèdre. Donc, ce qu'il faut comprendre pour qu'un feu fonctionne, ça prend trois choses. On appelle ça le triangle du feu. Dans le fond, ça prend de la chaleur, ça prend un combustible, et ça prend un comburant. Le comburant, en fait, c'est de l'oxygène. Si on enlève un de ces trois éléments-là, le feu s'éteint. Ici, si je ne fais pas un petit lit qui protège le fond de mon feu de la neige, j'enlève la chaleur. Parce que mon feu va se refroidir en faisant fondre la neige. Si je ne mets pas assez de bois, le combustible va s'en aller, donc le feu va s'éteindre. Et s'il n'y a pas assez d'espace autour de mon feu, l'oxygène ne pénètre pas dans mon feu et il va s'éteindre. Donc, il faut garder en tête que ces trois éléments-là doivent être présents pour que notre feu fonctionne. Voyons, et je commence à avoir les mains gelées. Cette technique-là que je suis en train de faire, c'est la technique lorsqu'on n'a pas accès à de l'écorce de bouleau. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un petit amoncellement de tuya, donc... et d'épinettes, de cèdre et d'épinettes. Et doucement, on vient créer une bulle de chaleur au cœur même de ce petit amoncellement de bois. La chaleur se propage, il y a du combustible, il y a de l'oxygène.
il y a du feu. Je le mets par-dessus mon lit. Le feu va se propager vers le bas. Il va créer de la chaleur rapidement. Le feu que je fais là est éphémère. Il va s'éteindre dans quelques minutes. Mais ces quelques minutes-là me permet de me satisfaire au niveau de la chaleur et va me permettre aussi d'avoir un petit peu plus d'énergie pour pouvoir repartir, me mettre à l'abri. Ma valise, j'avais vu sur les cartes qu'il y avait un chemin pas tellement loin d'où j'étais. Je me retrouve dessus. Maintenant, je sais dans quelle direction aller pour pouvoir éventuellement me mettre à l'abri. Mais avant, je dois bouger. Parce que ce qui va me garder au chaud et en vie, c'est la chaleur que mon corps va produire et qui va envoyer dans mes mains et dans mes pieds. Fait que là, faut courir. Il se peut que vous sentiez vos pieds complètement engourdis quand vous courez. C'est normal. On continue. All right. Je suis arrivé à la maison. Je vais pouvoir me réchauffer. Je suis arrivé à la maison, je suis donc en sécurité, je vais pouvoir me réchauffer et le stress va pouvoir commencer à baisser. Ce qu'il ne faut pas faire, on ne veut pas mettre ses mains et ses pieds dans de l'eau chaude. On ne veut pas créer un choc thermique trop grand. On veut permettre aux vaisseaux sanguins de nos pieds et de nos mains de se dilater doucement et de permettre au sang d'y retourner. On va utiliser la bédaine chaude de quelqu'un pour se réchauffer les pieds. On va utiliser une petite bouillotte d'eau tiède pour réchauffer nos mains ou nos pieds. Une couverture. On va rester actif pour garder le sang en circulation dans notre corps. On va manger pour garder notre énergie. On peut manger donc des produits qui sont caloriques, du fromage, boire des boissons chaudes, des bouillons, manger une soupe. Tout ce qui peut nous aider à garder ou à produire de la chaleur. Une fois que c'est fait, on reste actif pour s'assurer de garder le sang et la chaleur fluide dans tout notre corps. En conclusion, on va se rappeler qu'il n'y a pas d'urgence quand on tombe dans l'eau. Nous, on a environ 30 minutes avant de tomber en complète hypothermie. On garde toutes les étapes en tête. On garde notre calme. On se réchauffe. On bouge. Souvenez-vous, si vous marchez sur une glace où il y a de l'eau vive, comme ici, ou sur un lac, vous devez avoir au minimum 10 cm de glace pour vous assurer de la sécurité que vous ne passerez pas au travers. Si vous êtes en motoneige, c'est un minimum de 12 cm. Et pour une voiture ou un pick-up, on parle de 20 à 40 cm de glace pour vous assurer d'être en sécurité.